Salut la famille, c'est Thierry et c'est Influence TV Time, ça se passe. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Hola, comment estás? Mucho bien, 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 mucho gracias. Donc, bon, j'essaie de parler anglais, donc... Non, c'est pas vrai, c'est l'espagnol. Oui, oui, c'est une joke, je voulais juste voir votre réaction. Oui, oui, riez de moi, vous pouvez, je vous appelle la famille, donc vous avez droit de me voir en train de faire des gaffes comme ça. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous explique un peu la situation actuelle. Je suis dans ma chambre, c'est le soir, ma femme est dehors, j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas inviter Influence TV dans mon lieu intime pour pouvoir aller à un autre niveau dans ma relation avec vous parce que je vous aime. Et parce que vous aussi, vous m'aimez. Donc, sur ce, je me retrouve dans ma chambre. Donc, je vais aller rapido presso pour pas que ma mère sorte. Vous savez, ma mère, elle est un petit peu africaine. Puis, les africaines, quand on les dérange dans leur sommeil, ils peuvent snap. Donc, je veux pas qu'elle commence à me taper devant vous. Donc, j'y vais rapido presso. Trois petites règles. Vous les savez déjà. On met pas ces informations personnelles dans les commentaires. Donc, on veut pas ton adresse, on veut pas ton numéro de téléphone, pas tes numéros de Mastercard ou de ton compte bancaire que tes parents t'ont ouvert. Non, surtout pas. Non, on veut pas ton numéro d'assurance sociale. Non, non, non. Aucune information personnelle. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. La deuxième règle, vous la savez tout. Quelle est la deuxième règle? Si t'es en bas de 13 ans, juste avertis tes parents. Dis, papa, maman, yo, vous savez qu'est-ce qui se passe? Je regarde Influence TV. C'est ça qui est bon ce soir. Donc, ne me dérangez pas trop. Je vais faire la vaisselle après. C'est simple. Dites ça comme ça. Rappelez-le presto. Après, revenez-nous vite. Vous asseoir avec nous. Comme ça, on poursuit la suite de la programmation. Et la troisième règle. Reste respectueux. Donc, nous sommes une influence positive. Et oui, c'est la plus importante. C'est pas vrai, les trois sont importants. Donc, troisième règle, reste respectueux, s'il vous plaît. Donc, on met que des commentaires positifs parce qu'on est amour. Et comme j'avais dit la dernière fois, on aime Jésus, Jésus nous aime. Amen. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je viens de crier. J'ai pas envie que vous entendiez ma mère me chicaner. Donc, je vous laisse avec la suite de la programmation. On se retrouve tantôt. Et ben du fun. Puis, oubliez pas, là, invitez déjà vos amis. Ça se passe live. Partage, share, tout le kit. C'est là que ça se passe. À tantôt. Peace out. Allô tout le monde, je m'appelle Véronica et je suis leader dans l'équipe d'Influence pour ceux qui ne me connaissent pas. D'habitude, David est ici avec moi pour les moments existentiels, mais aujourd'hui, on est à la première semaine de notre campagne Jamais Seul, une campagne qu'on fait à tous les mois de février depuis les derniers 3 ans dans le réseau Influence. Et aujourd'hui, on va toucher le thème de l'anxiété, le stress et plus particulièrement les crises de panique. Et c'est pour ça que je suis ici toute seule, pour te présenter un témoignage personnel, parce que j'en ai moi-même vécu. Mais avant de commencer, j'avais à cœur de te dire que les crises de panique sont toujours engendrées par quelque chose. Il y a toujours quelque chose derrière qui est déjà dans notre cœur, qui vient nous angoisser, nous faire peur, nous faire de la peine, nous faire sentir qu'on perd contrôle, et c'est ça qui engendre des crises de panique. Personnellement, moi, c'était en 2015. C'était en novembre 2015, j'ai vécu une agression où est-ce que deux jeunes adolescentes, randomly, ont voulu voler mon cellulaire et pour le faire, m'ont donné un coup de poing en plein milieu de la rue. Et ensuite, quelques semaines plus tard, donc en décembre 2015, mon beau-père est décédé d'une crise cardiaque subitement. Alors, voilà, c'est ça qui a engendré que moi, je commence à faire des crises de panique par la suite. Je vais tout te raconter mon processus. Comment est-ce qu'elles ont commencé? Elles ont commencé très tranquillement, les crises de panique. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est surtout pas quelque chose que moi, dans ma tête, je me disais « Ah, ça y est, je suis en train de vivre une crise de panique ». Vraiment pas. C'est vraiment arrivé subtilement suite à l'agression principalement. Mais ça s'est vraiment empiré une fois que mon beau-père est décédé. Et j'en ai fait pendant 4 mois environ. 3 mois, je pense, vraiment intensif, puis 1 mois de comme essayer de get past this. La bonne nouvelle, c'est que merci Seigneur, j'ai eu la victoire là-dessus.
Mais ce fut un 4 mois intensif, vraiment, vraiment intensif. Et je veux vous expliquer qu'est-ce que je vivais dans le moment de la crise de panique et comment ça s'est déroulé pendant ces 3 mois-là de même. Dans le fond, au début, les crises arrivaient juste quelques fois par semaine, une fois par semaine. Soudainement, dans l'autobus, dans le métro, c'était surtout quand je devais sortir dehors et j'avais mon téléphone avec moi dans ma poche, puis je voulais juste vraiment éviter que la situation qui m'est arrivée en novembre réarrive. C'est là qu'ils ont commencé à arriver. Ensuite, ils ont commencé à venir vraiment plus fréquemment. Donc, c'était rendu quasiment à chaque 2 jours, j'en faisais. Puis après ça, c'était rendu à chaque jour, j'en faisais. Puis à un moment donné, c'était rendu que j'en faisais environ 3 fois par jour, tous les jours. Fait que c'est ça. Fait que les crises, comment ça se passait, c'est que je savais pas que j'étais en train de faire une crise, vraiment pas. Je commençais juste à vraiment paniquer, à juste vraiment avoir peur de me faire voler mon cellulaire ou à avoir peur de faire une crise cardiaque. Voici ce qui arrivait. Je sentais comme une espèce de pression à la poitrine X. Là, tu sais, des fois, t'as juste un gaz. Fait que là, je sentais comme des affaires. Puis, j'aimais pas ça. Je trouvais ça bizarre. Pour ceux qui savent, moi, j'ai été opérée du cœur quand j'étais petite. Mon cœur est en parfait état, mais c'est dans mon passé médical. Et en plus, je fais de l'asthme. Fait que tout comme pour me combiner des pensées que genre, je suis en train d'arrêter de respirer ou je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Dans le moment, immédiatement, ça se déclenchait dans ma tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je suis vraiment en train d'avoir des sensations étranges que je ne connais pas, que je contrôle pas, je comprends pas qu'est-ce que j'ai. Je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Oh my God, je vais mourir. Oh my God, c'était vraiment comme ça. C'était vraiment comme ça escaladait vite de même. Puis plus que ces pensées-là escaladaient dans ma tête, plus que je commençais à avoir des symptômes, parce que c'était pas juste une espèce de pression étrange, ben là, mon cœur il commençait à vraiment battre vraiment vite, puis je commençais à transpirer, à n'en plus finir. Je pensais vraiment que j'étais en train d'avoir une crise cardiaque, surtout parce que mon cœur commençait vraiment à battre vite, je commençais à transpirer, puis je commençais à voir noir. Ça, c'est une fraction de seconde, là. En une fraction de seconde, voire quelques minutes que ça arrive, ces symptômes-là qui escaladent vraiment vite parce que dans mes pensées, ça allait vraiment vite. J'étais sûre que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Ça venait dans l'autobus, ça venait dans le métro, ça venait dans la toilette, ça me venait dans la chambre juste avant de me coucher, ça me venait dans la classe pendant mon stage. Nombre de fois que je suis allée à l'hôpital, à l'urgence, parce que je pensais que j'étais en train de faire une crise cardiaque ou que j'étais en train de... genre, j'étais plus en train de respirer. Plein de fois avant de me coucher, j'avais ça. Puis je disais à David, go, on s'en va à l'hôpital, go, parce que je suis en train de mourir. Genre, je suis en train de faire une crise cardiaque. Oh my God, j'ai plus d'air. Fait qu'on est allé à l'urgence plein de fois. Fait que je me suis fait toutes sortes de quantités de tests pour finalement que mon médecin me dise, écoute, Véronica, tu n'as rien. Il n'y a rien de mauvais dans ton cœur. Il n'y a rien de mauvais dans tes poumons. Tout est vraiment correct. Tu fais de l'anxiété. Fait que quand il m'a dit ça, ça faisait déjà plusieurs mois que c'était passé. Ça l'avait déjà escaladé. Et quand il m'a dit que je faisais de l'anxiété, ça l'a vraiment mis une lumière parce que, en effet, j'avais rien. Fait que j'avais rien de physique, mais moi, j'avais peur que j'avais quelque chose de physique, mais j'avais rien. Fait que là, quand il m'a dit que c'était de l'anxiété, j'ai fait « Oh, ok, c'est dans ma tête. » J'en fais une histoire courte, mais après d'avoir su que c'était de l'anxiété, ça s'est pas réglé right away. Vraiment pas. C'est là que la bataille a commencé. David et moi, on a recherché justement sur l'anxiété, toutes les formes d'anxiété qu'il pouvait avoir et on a trouvé une branche qui parlait de tous les symptômes que je viens de vous dire et ça disait que c'était des crises de panique. Et là, c'est vraiment là que le Seigneur a mis la lumière sur qu'est-ce que j'étais en train de vivre, que c'était pas physique, j'étais pas en train d'avoir une crise cardiaque, I have no problems respiratoires whatsoever, regarde, je vais pas me faire voler mon cellulaire à chaque jour. Rien de ça n'est vrai. Rien de ça n'est vrai. C'est dans ma tête. Et à cause que c'est dans ma tête, et c'est une peur que l'ennemi a semée dans ma tête et que moi j'ai alimentée, j'ai perdu le contrôle et c'est pour ça que ça en est arrivé au point où est-ce que c'est arrivé, où est-ce que j'en faisais 3 fois par jour pendant tous les jours. Et je le savais
que c'est moi qui avais alimenté la peur. Et c'est à cause que moi, j'avais justement alimenté ces peurs-là que ça s'était dégringolé à ce point-là, tu sais. Pourquoi? Parce que au début, quand je faisais les crises, ma première réaction, c'était de sortir de l'autobus, sortir du métro, sortir de la classe, appeler David, juste pour avoir un contact humain, genre appeler David, ben je pense que je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Dans le moment, ces actions-là que je faisais, sortir de la classe, sortir de l'autobus, sortir du métro, aller jusqu'en haut, prendre de l'air, me détacher mon manteau, appeler David, all these things faisaient en sorte que ça l'alimentait, ces pensées-là. C'est comme si les pensées venaient, puis ben moi, je leur obéissais. C'est à cause de ça que ça, c'est devenu pire et j'ai commencé à en faire plus. Fait que le Seigneur, il m'a vraiment dit, la seule façon que tu peux être libre de ça, parce que je voulais pas être médicamentée pour ça, je sais que tu peux prendre des médicaments pour ça, je voulais pas que ça dégringole puis que ça prenne plus de place dans ma vie puis que finalement je sois vraiment une personne anxieuse. Je voulais être libre de ça vraiment. Et le Seigneur m'a dit, la seule façon d'y arriver, c'est que tu arrêtes d'obéir à tes peurs, que tu arrêtes d'agir sur la peur, mais que tu agisses sur la foi. Donc, le plan d'action, après d'avoir prié justement, puis d'avoir dit au Seigneur, « Ok, I'm facing this, libère-moi de la peur, j'ai besoin de toi », avoir été porté ça à la croix, avoir refusé toute peur, je devais avoir un plan d'action pour me libérer de ces craintes-là, parce que c'était comme des chaînes de peur qui étaient dans ma tête, puis que si j'arrivais pas à briser ces chaînes-là concrètement avec une action, j'allais pas pouvoir être libre de ces crises de panique-là. Donc le plan d'action était, dans le moment que tu vis la crise, sors pas du métro, sors pas de l'autobus, appelle pas David. Do it, face it in your head, alone. But you're not alone. Le Seigneur est là avec toi. Parce que si je faisais une action, c'est comme si je suis en train d'alimenter cette peur. Fait que c'est ça le plan d'action. Fait que je me rappelle, c'était vraiment difficile. Voire même, c'était horrible. La réaction normale est de sortir prendre de l'air. Enlever ton manteau, respirer, appeler quelqu'un. Dans le moment, il fallait que je reste là. Que je reste là, puis que je me dise dans ma tête, t'es en train de vivre une crise de panique, t'es pas en train de vivre une crise cardiaque, you're fine, t'es pas en train d'arrêter de respirer, le Seigneur est avec toi, you're not alone in this, le Seigneur est ici, right now, avec toi, respire. Fait que là, il fallait que je respire des respirations lentes, parce que je m'étais renseignée que ça fait en sorte que le rythme cardiaque diminue, puis que tu arrives à te calmer un peu, puis là, tu arrives à prendre contrôle sur tes pensées. Mais tu sais, il fallait que je fasse ça dans le moment, mais dans le moment, là, je suis en train de transpirer, je suis en train de boire, non, je suis en train de m'évanouir, là, parce que j'ai vraiment peur, je suis en train de paniquer, je suis en train de faire une crise de panique, puis il fallait que je me force à faire ça pour pouvoir combattre la crise de panique. Fait qu'à chaque fois que ça me venait, les trois fois par jour, je devais faire ça. Est-ce que j'ai toujours réussi? Non, la première fois, je suis sortie. Mais j'ai pas appelé David. La deuxième fois, je suis pas sortie du métro, j'ai enlevé mon manteau. La troisième fois, tu sais, c'était comme ça, c'était un processus. C'était un processus dans lequel, à chaque fois, je me disais, il y a des actions que je peux pas faire parce que si je le fais, ça va alimenter la peur. Même si dans le moment, ça me réconforte, tu comprends? Ça me rassure. Faut pas que je me rassure de cette façon-là, faut que je me rassure dans ma tête avec le Seigneur. Après plusieurs crises de pratiquer ce plan d'action-là, le plan d'action est devenu de plus en plus facile parce que c'est toujours au début que c'est plus difficile que quand tu fais face à tes peurs. À un moment donné, j'avais beaucoup plus de contrôle puis je savais que okay, la crise était en train d'arriver, ok, go, je me calme. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, it was easy and they never came back. Les crises ne sont jamais revenues parce que j'ai pilé dessus en faisant ce plan d'action-là. Si t'as pas vécu une crise de panique, tu sais pas how real it is. Tu sais pas que c'est une crise de panique. C'est horrible, horrible, horrible vivre ça. Et je voulais vous le partager avec détail, la façon comment je les avais vécues, le pourquoi je les avais vécues et le comment j'ai réussi à m'en sortir avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, pour vous montrer que, like, on comprend, tu comprends? Like, on est avec toi qui est en train d'en vivre et la solution, c'est le Seigneur.
c'est que toi, tu aies la foi et que tu lui fasses confiance versus alimenter les peurs. Tu peux avoir la victoire là-dessus parce que le Seigneur est plus grand que toutes tes peurs et que toutes tes craintes. Puis que dans le fond, tout se passe ici. C'est tout dans notre tête, les amis. Et si on arrive à combattre nos pensées avec la foi que le Seigneur y met dans notre cœur, en faisant confiance à Dieu, on va réussir et tu vas réussir à te sortir de ces crises de panique-là. Donc voilà, c'est ça que je voulais basically vous raconter pour vous encourager. Si toi, tu es en train de vivre des crises de panique, Jésus est concerné pour toi, Jésus connaît tes peurs, mais la Bible dit que Jésus a vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, il est plus fort que tes peurs, il est plus fort que les crises de panique, il est plus fort même, ok, que la raison pour laquelle tu fais des crises de panique. Moi, j'avais vécu une agression et le décès de mon beau-père avec une crise cardiaque soudaine. Toi, qu'est-ce qui est venu trigger? Qu'est-ce qui est venu amener ces crises-là? Le Seigneur, il le connaît. Puis si tu vas en prière, puis si tu vas le voir, puis tu te réfugies dans le Seigneur, puis tu lui parles de ça, le Seigneur, il va mettre la lumière sur qu'est-ce qui est venu alimenter la peur, qu'est-ce qui est venu mettre cette peur-là, qu'est-ce qui est venu alimenter les crises de panique et comment il va te donner à toi ton propre plan d'action que tu vas devoir faire face avec le Seigneur afin d'être libre des crises de panique. Avant de finir, je voulais te dire que la campagne s'appelle « Jamais seul pour une raison ». Ça s'appelle comme ça parce que tu n'es jamais seul, justement. Le Seigneur est avec toi dans ce que tu vis, dans ce qui a engendré les crises, mais également, il est avec toi pendant la crise. Également, il t'a donné des leaders avec lesquels tu peux parler, puis qu'ils peuvent prier pour toi, justement, dans ce que tu vis. Mais également, il y a de l'aide professionnelle qui existe, et ce n'est pas fou d'aller chercher de l'aide professionnelle. Des fois, c'est vraiment nécessaire. Alors, ici-bas, il va y avoir deux numéros de téléphone. Premièrement, Tel Jeune, qui est une ressource que tu connais probablement déjà, que tu peux parler avec quelqu'un, un intervenant. Mais également, il existe le centre de crise, que c'est spécifique, justement, pour quand tu es en train de vivre une crise ou après la crise, pour justement parler avec un intervenant qui va t'aider à discuter de ce qui peut justement avoir amené les crises et essayer de mettre la lumière là-dessus. C'est quand on met la lumière sur quelque chose que le Seigneur y peut agir. Alors voilà, à la prochaine! What's up, people? What's up? What's happening? What's popping? It's me again, people. It's me again. It's me again. It's me again. Ça va? It's me again. Alors aujourd'hui, les amis, on se cache pour un nouveau combo douteux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un mélange de nourriture que certaines personnes aiment, que d'autres n'aiment pas, que d'autres trouvent bon, que d'autres ne trouvent pas bon. Et aujourd'hui, on va avec le thème santé, tu comprends? Parce qu'on sait que ce mois-ci, c'est un peu différent, tu comprends? So, qui dit santé, une bonne santé mentale, mais avoir une bonne santé physique, si, un peu équilibré. So, alors on va faire ça de cette manière-là, et on roule ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. So, je parle avec Jérémy, et il m'a envoyé les combos que je dois faire aujourd'hui, people. Et pour de vrai, ça a l'air d'être bon. Et à part un, sinon tout le reste, avant moi, là, bon. So, je vais aller dans l'ordre que je pense que c'est bon. Et je suis sûr que ça va l'être. Et si ça ne l'est pas, mais j'ai eu tort. Come on. Ok, ok. So, le premier, c'est du yo. Oh, ananas de coco banane. Wow, je savais pas. Ok. Alors, on va essayer. Le premier, c'est... Non, c'est pas ça qu'on vous dit, là. C'est pas... Il y a une femme, il y a... Vous comprenez que c'est une sorte de yogourt, tu vois. So, le premier, c'est du yogourt avec du fromage. Un yogurt cheese. Tu comprends? So, let's see with the yogurt cheese. What's popping yogurt cheese? Parce que personnellement, je crois que celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je suis même pas aimé du tout. So what's popping with the yogurt cheese?
3 hours later. 3 days later. The next day. 6 months later. 2,000 years later. Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Yo, cheese, c'est non. Ça ne passe pas. Il est dégueulasse. Celui-là, je savais à l'avance, c'était prévu, c'était calculé. Là, je commençais par elle, parce que pas comme ça, elle, je suis partout là. Ok? Et maintenant, le deuxième du céréal, c'est du Victor. Et à place de mettre du lait, on va mettre de l'eau. Liquide, ok? Oh my god, c'est là que ça sent pas. Pour vrai, le fait que l'eau n'a pas vraiment de goût, comme non. L'eau n'a pas de goût, c'est ça fait rien au céréal, genre c'est comme si je mangeais comme ça. C'est là non plus, ça passe pas. Le dernier, c'est là c'est que je l'aime parce que je le fais beaucoup. Il y a des personnes en santé qui oh juste pour ceux qui ont des personnes qui boivent de l'eau avec ça, c'est vous savez pas, ok. C'est vous ça. Pardon, c'est pas. The last one, c'est là je sais que je l'aime. Parce que, pas te mentir, je fais des smoothies comme ça parfois, mais les petits qui collent à son santé bien, ok. C'est banal. Je vais juste couper le banal. Après ça, je vais m'entraîner sur ce que je finis avec ça. Hein. C'est banal. Banana with yogurt. C'est là que je l'aime. C'est là que c'est aucun doute là. Vous voyez. Je peux en manger beaucoup comme ça. Ouais. Je peux en prendre beaucoup comme ça. J'ai dit que je ne peux pas parler là. La bouche pleine. Ma maman m'a dit que j'étais obligé de bien m'assister. So! Ah! Ça, c'est vraiment ça. Ce sachet que j'ai fait dans l'ordre que j'avais déjà là. Que... J'avais pas aimé ça. Alors. Je vais dire que le premier c'est non. Yogourt avec du fromage. Pas beaucoup de sens, ok. Peut-être un smoothie, j'en ai aucune idée. Un jour je vais faire ça. Ce serait là de l'eau là. Pas pour tout. Ça goûte rien. Les gens tout ça santé. Capo, tu comprends pas. Mais banane et yogourt, c'est délicieux. J'espère que vous avez aimé. Et bon, aimé. Vous comprenez quoi? Vous comprenez? So, j'espère que vous avez enjoyé ça. Puis que vous venez, passez une bonne fin de soirée, people. Moi, je vous aime. Bonjour tout le monde, très content d'être parmi vous pour un segment très spécial. Avant que je commence le segment, tiens à vous dire vraiment merci pour tous les supports, tous les beaux messages qu'on a reçus pour notre petit bébé Laurent qui est arrivé le 15 janvier dernier. Bébé va bien, Marie-Lou va super bien aussi, on est vraiment bénis. Puis on tient à vous remercier pour tous ceux qui ont prié pour nous, qui nous ont soutenus durant les dernières semaines. Puis tout, on est vraiment reconnaissants, vraiment merci beaucoup. Donc, ceci étant dit, très hâte de vous le présenter. Un jour, ça va venir. Un jour, on va pouvoir se voir, puis je vais pouvoir porter mon bébé comme ça devant vous.
Ok, ceci étant dit, je suis pas ici pour vous parler de mon bébé et tout. Donc, on a envie de faire un petit segment spécial parce que dimanche qui s'en vient, c'est le Super Bowl. Et le Super Bowl, c'est un des événements sportifs les plus regardés dans le monde. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre le temps d'en parler parce que moi, comme vous le savez, même si j'ai pris ma retraite du foot, il y a déjà 2 ans de ça, fait que 2 ans que je joue plus de foot. C'est fou. Mais même si j'ai pris ma retraite, le foot est un sport qui me passionne, que je connais encore sur le bout de mes doigts, que j'aime regarder. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour dimanche. Parce que la réalité, je sais comment c'est le Super Bowl. Il y a plein de sortes de gens qui vont regarder le Super Bowl. Il y a des fans comme moi qui connaissent le foot, qui vont regarder ce match-là. Il y a du monde qui vont regarder ça parce que il y a un show de la mi-temps qui est incroyable. Il y a du monde qui vont regarder ça parce que les publicités pour le Super Bowl coûtent des millions de dollars. Fait qu'on a hâte de voir ce que les compagnies publicitaires vont décider de faire. Peu importe pour quelle raison tu regardes le Super Bowl, regarde le Super Bowl, amuse-toi, passe un bon temps, c'est un bel événement sportif. Si toi t'es là aussi juste pour le menu du Super Bowl, parce qu'on s'entend, ailes de poulet, pizza, pogo, chip, c'est le temps de se lâcher lousse. En tout cas, à chaque année, moi je prends le temps de le faire, ça brasse dans mon estomac. Mais bon, peu importe pour quelle raison tu regardes le Super Bowl, laisse-moi un petit peu t'expliquer c'est qui les deux équipes qui s'affrontent. On va parler un petit peu des joueurs, juste pour que tu aies une idée globale, puis peut-être que ça soit un petit peu plus intéressant pour toi si tu connais moins le football ou si tu le connais déjà. Peut-être que je vais t'apprendre des choses que tu savais pas. Donc, pour le Super Bowl cette année, c'est les Chiefs de Kansas City contre les Buccaneers de Tampa Bay. Les Chiefs de Kansas City ont fini premier de leur conférence, tandis que les Buccaneers de Tampa Bay ont fini 5e de leur conférence. Les deux ont gagné chacun des matchs de leur série éliminatoire pour se rendre jusqu'en finale. Les Chiefs, c'est vraiment en ce moment l'équipe de l'heure. Ils ont fini premier de leur conférence, fini premier dans la ligue en général, avec 14 victoires et 2 défaites. Les Bucks, eux, 11 victoires et 5 défaites en saison régulière. Pour ce qui est des Chiefs, comme je vous dis, c'est vraiment l'équipe de l'heure en ce moment parce que c'est les champions en titre. C'est eux qui ont gagné l'année passée le Super Bowl et ils sont de retour au Super Bowl pour défendre leur titre et essayer de le gagner 2 fois de suite. C'est arrivé très peu de fois dans l'histoire que des équipes se rendent 2 fois de suite au Super Bowl et de le gagner encore une fois. Parlons un petit peu des équipes. Les Chiefs de Kansas City, pour ce qui est de leur offensive, ils ont une offensive dominante. Ils ont fini premier dans la ligue pour l'offensive, en étant premier par la passe et 16e par la course. C'est vraiment une offensive qui est explosive, qui réussit à gagner beaucoup de verges, qui bouge le ballon, qui est impressionnante à voir jouer, dans le sens que les jeux, les tactiques qu'ils utilisent, sont vraiment le fun à voir. La façon que les jeux se développent sont bien exécutés. C'est le fun pour un gars qui a de l'expérience comme moi. Puis, peut-être que vous connaissez un petit peu moins le football. Je suis persuadé que vous allez aimer ça, voir les joueurs se déplacer, aller dans toutes sortes de directions pour réussir à gagner des verges. Pour ce qui est de l'offensive des Bucks, une bonne offensive aussi, sont 7e dans la ligue, 2e par la passe, donc juste derrière les Chiefs, et 28e par la course. Ils sont moins bons par la course parce qu'ils ont moins besoin de courir. Ils sont quand même 2e par la passe, ils ont une bonne production offensive par la passe. Brady keeps, throws, pass is caught. That's Chris Godwin. It's louder in pregame warm-up than it is right now. Here's a pass, it's low. Jones makes the catch, able to get up and turn it into a nice play on second down, so to speak. 3 tight ends in the ball game. Brady's going to keep and... Ils amènent à moins courir, mais malgré tout, ils ont un bon potentiel par la course, c'est juste qu'ils ont moins eu besoin de l'utiliser durant toute la saison. Naturellement, on a les offensives, on a les défensives aussi. La défensive des Chiefs se classe 16e dans la ligue, ce qui est bien, sont dans le milieu, sont vraiment en plein milieu de la ligue, tandis que les Buccaneers sont 6e de la ligue. Ils ont une vraiment bonne défensive. Ils ont une grosse défensive, ils ont des gros bonhommes qui mettent beaucoup de pression sur leur corps arrière, puis ils ont vraiment une bonne ligne de défensive, autant les linebackers que les D-line. Pardonnez-moi pour les anglicismes, je connais moins les termes en français. Mais vraiment, ils ont une grosse défensive, donc ça va être très impressionnant à voir vraiment la meilleure offensive selon les statistiques de la Ligue de NFL de cette année contre l'une des meilleures défensives de la NFL cette année. Ça va être du beau football à voir. Durant la saison, les Chiefs et les Buccaneers se sont rencontrés une fois, c'était dans la 12e semaine, et c'est les Chiefs qui ont gagné 27-24.
Déjà là, avec le score, on peut voir que c'était très serré. Ça a été gagné seulement par 3 points. Une différence de 3 points dans un match de football, on considère que c'est une partie serrée. C'est pas comme le soccer ou le hockey qui a 3 points. Ben, c'était fait bien battre, là. Non. Au football, une différence de 3 points, c'est vraiment un... On va considérer que c'est un match qui est serré. Donc, malgré tout, on peut pas prendre juste ce score-là de... Il y a déjà plus de 2 mois et demi, pour dire qui va gagner ce dimanche. Non, parce qu'il y a beaucoup d'ajustements, il y a beaucoup de choses qui changent, les tactiques changent. Quand tu arrives au Super Bowl, tu veux pas les deux équipes, ils ont 2 semaines bien reposées, ils ont le temps de bien placer leur stratégie. Donc, c'est toute une autre histoire. On peut pas se baser sur un match-là pour prédire qui va gagner. Mais on peut, par exemple, s'assurer que ça va être un match serré. Ça l'a été dans le passé. On voit que c'est des équipes avec des talents qui sont semblables, qui sont égaux. Donc, ceci étant dit, quelque chose qui va être beau à voir, c'est que le Super Bowl a lieu cette année à Tampa Bay, dans le stade des Buccaneers. C'est la première fois de l'histoire du Super Bowl de la NFL que l'équipe qui reçoit le Super Bowl chez soi se rend aussi au Super Bowl. Ça n'a jamais arrivé avant. C'est jamais arrivé. Aucune équipe qui recevait réussissait à se rendre au Super Bowl. D'ailleurs, même si ça avait plus la réputation que ça portait malheur, dans le sens que la plupart des équipes qui recevaient le Super Bowl, quand c'était cette année-là, il n'y avait pas une bonne fiche. Il n'était pas nécessairement bon. Mais là, c'est la première fois de l'histoire que l'équipe qui reçoit est aussi bonne. Donc, les joueurs sont motivés. C'est sûr qu'ils vont avoir l'avantage de jouer à la maison parce que ça se fait vraiment chez eux. Ouais? Bon, on va voir si ça va faire la différence. Les match-ups qui sont intéressants à regarder un petit peu, question des carrières, on a 2 carrières qui sont assez légendaires. Le premier, c'est Patrick Mahomes, le numéro 15. C'est le défendant en chief, c'est le défendant en titre. Écoute, ce gars-là, il a une mobilité et une précision qui est vraiment hors du commun. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Pour vous donner une idée à quel point il est bon, je vais vous donner son salaire. Je sais que le salaire de quelqu'un, ça ne veut pas dire nécessairement son talent, mais dans le sport, ça peut te donner une bonne idée la plupart du temps. Ce gars-là a signé un contrat de 10 ans pour 503 millions. Ça veut dire qu'il fait par année 50 millions. Par journée, il fait 137 000 $. Par heure, il fait 5 700. Par minute, il fait 86 $. Et par seconde, il fait 1,60 $. Je viens d'attendre 5 secondes et Patrick Mahomes a fait 5 $. Tell him to bring me my money. C'est quand même fou. Fait que c'est un excellent joueur qui va être beau à voir. Pour ce qui est de Tom Brady, c'est une légende. C'est sans aucun doute le meilleur carrière de l'histoire de la NFL. C'est le gars qui a gagné le plus de Super Bowl. Avec sa 21e saison. Ça fait 21 saisons qu'il joue dans la NFL. La plupart de vous, vous avez même pas 21 ans. Ça veut dire que ça fait plus longtemps que votre vie que ce gars-là joue professionnel au football. C'est quand même fou. Ça va être son 10e Super Bowl. C'est la 10e fois qu'il se rend au Super Bowl en 21 saisons. C'est quand même fou. Il en a gagné 6 sur ses 9 dernières et là, sa 10e, on va voir. Une statistique assez le fun. Si vous connaissez un petit peu le basket, Stephen Curry, qui est bien réputé pour avoir une bonne moyenne de 3 points, right? Sa moyenne aux 3 points est de 43%, ce qui est quand même incroyable. Mais si on calcule la moyenne, les chances, en fait, la moyenne de fois que Tom Brady s'est présenté au Super Bowl, s'est rendu au Super Bowl en ses 21 saisons, c'est 47%. Fait que Tom Brady a plus de chances de se rendre au Super Bowl que Stephen Curry, il a de chances d'avoir un 3 points. C'est quand même quelque chose. Faut quand même le faire. Fun fact. Ça va être beau de voir ces deux carrières-là qui ont un style vraiment différent. Patrick Mahomes, il est plus mobile, il est plus en train de se promener, en train de faire des jeux qui sont très spectaculaires, qui se promènent beaucoup. Tandis que Tom Brady, c'est plus un carrière classique qui va être dans sa pochette protectrice et qui va lancer le ballon à une précision et une lecture de jeu qui est incroyable. Donc, c'est ça. Sinon, des confrontations qui sont intéressantes. À surveiller, le numéro, pour les Buccaneers, le numéro 13,
87, 28 et 27. Le numéro 13, c'est Mike Evans, qui est un de leurs meilleurs receveurs. Ensuite, le tight end Rand Gronkowski, je vais déjà dire son nom, numéro 87, qui est vraiment un joueur extraordinaire, vraiment drôle, un mastodonte, pour vrai, ça va être beau de voir ça. Et pour le numéro 28 et 27, c'est Fortnite et Jones, qui sont les deux running backs qui changent, qui intervallent un après l'autre, qui sont très bons aussi. Pour ce qui est de les Chiefs de Kansas City, on a leur meilleur receveur qui est Tyreek Hill, qui est vraiment le numéro 10 qui est à surveiller. Ce gars-là est une machine de vitesse. D'ailleurs, son surnom, on l'appelle Cheetahs parce qu'il court vraiment vite. Ensuite de ça, on a comme tight end, on a le numéro 87 qui est Travis Kills, qui est vraiment super bon, incroyable aussi. Puis on dit d'ailleurs que de Patrick Mahomes et Travis Kills, qui est, c'est vraiment l'un des meilleurs duos carrière tight end. Fait que ça va être à surveiller. Pour le running back, on a Clyde Edwards. Puis Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, c'est vraiment un running back que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'expérience. Fait que j'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est de la défensive, les deux, je ne vais pas nommer tous les joueurs naturellement, mais deux joueurs clés pour chaque, un joueur clé pour chaque équipe. On a en défensive pour pour Tampa Bay, on a Levan David, le numéro 54, qui est vraiment aussi un mastodonte, un gros monsieur avec des immenses bras. J'ai hâte de le voir aller. C'est vraiment une machine à plaquer. Ensuite, on a pour les Chiefs de Kansas City, Tyrann Mathieu, le numéro 32, qui est le safety. Lui aussi, il a une lecture de jeu incroyable et c'est un athlète hors du commun. Donc, ça vous présente un petit peu les deux équipes. Je vous souhaite un bon Super Bowl si vous regardez ça. Si ça ne vous a pas intéressé, je suis désolé des dernières minutes. Mais si vous n'avez rien à faire, que vous êtes en confinement dimanche soir et que vous avez le cave, ben, je vous invite à peut-être regarder un petit peu le football, ça peut être intéressant. Fait que c'est ça, je sais pour le show de la mi-temps, c'est The Weeknd. The Weeknd, il est canadien. Je savais pas, je l'ai appris en préparant pour cette vidéo. Donc c'est ça, je vous souhaite un bonne fin d'épisode pour l'instant. Puis sinon, on se voit dimanche à l'Assemblée et un bon Super Bowl ce dimanche si vous regardez. Je vous souhaite vraiment un bon spectacle. Salut! Hey, what's up tout le monde? I'm back. Oui, c'est déjà la fin. Ça, c'était vraiment en anglais. Le I'm back, c'était vraiment en anglais. Donc, oui, c'est déjà la fin. Je sais, on est triste. On est tous tristes. Oh my God! Mais n'oublie pas, la semaine prochaine, nous sommes toujours fidèles au poste. Oui, on se voit la semaine prochaine. C'est Influence TV qui bombe. 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 Et ça se passe les vendredis soirs. Donc, la semaine prochaine, ne rate pas ça, mon ami. Si c'était la première fois pour toi, ben, la semaine prochaine, on est là. Donc, soit rendez-vous, mon ami. On aura quelque chose d'autre de spécial pour toi. Je ne peux pas vous laisser sans vous parler des groupes Connect. Donc, chaque semaine, on vous parle des groupes Connect parce que c'est important. C'est quoi un groupe Connect? Chaque semaine, on vous le répète. Chaque semaine, je vous le répète. Mais ça ne me dérange pas, je vais le répéter juste pour toi. Un groupe Connect, c'est des jeunes qui se réunissent pour chiller, parler de ce qu'ils vivent, parler des situations peut-être un peu plus compliquées, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. On est là. Je pourrais prendre 3 heures à vous expliquer groupe Connect tellement que je suis passionné dedans. Vous voyez ma joie quand je vous parle des Connect? Tu vois mon sourire? Tu vois ma face quand je parle des groupes Connect? Ben, je dois vous laisser partir. C'est ça les groupes Connect. Puis tu te demandes sur moi comment t'y rendre. C'est facile. Va sur le site internet mcgc.ca et tu vas voir trouver un groupe Connect. Tu cliques sur le lien, trouver un groupe Connect. Puis tu remplis les informations. Puis on va te contacter. Puis ça se passe, tu vas nous rejoindre. Puis qui sait, peut-être un jour c'est toi qui seras devant en train de présenter Influence TV. Oh ouais, tu prendras ma place. Mais il n'y a pas de problème, je vais te la donner avec joie. Parce que je t'aime déjà. Même si je ne te connais pas, je t'aime déjà. Et oui, vous voyez cette émission, mais vous savez qu'il y a une grosse équipe en arrière. Donc, on tient à dire merci à la famille d'Influence TV pour tous les efforts, pour le temps que vous consacrez. Que Dieu vous bénisse. On dit également merci à nos pasteurs. Sans vous, ce ne serait pas possible. Donc, n'oublie pas, avant de partir, de like, de share, de partager, de toutes nous l'envoyer. Comme je disais la dernière fois, envoie-le à toute ta famille en Haïti, en Afrique, en Asie, everywhere. Donc, peace out, mesdames et messieurs. J'essaie de faire moins de bruit possible. J'ai commencé à parler un peu plus fort. Donc, je vais vous laisser parce que ma mère, elle va se réveiller. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye.